À gauche, go! Avec Alice en player 1 qui joue Doalon, Tim Gâteau contre Jérémy qui joue aussi Doalon, Kena c'est Dylan, c'est comme 2003, c'est un club qui se joue en fait. Avec un premier gros combo par Jérémy et son Kenash. Voilà qui doit mettre le Doalon par Alice KO. Il a coincé dans le bois, Alice avec la sœur son Tim, c'est une finale en tendance gagnante. Alice qui essaie de mettre la pression avec Tim. Je rappelle que c'est 2003. Le dernier officiel sorti en date, c'est le gâteau du feu. Voilà, avec la liste du gâteau maintenant. Voilà, il a réussi à faire. Très grand tiers de Raïd, il est tous avec lui, il remet la pression. Allez, il est tous avec lui. Voilà, un petit violon, un peu de gros combo en passage en dos avec Jérémy. Pour l'instant, ça sera plus vite de Raïd. Il a reçu pour l'instant. C'est un jeu de personnage qui est totalement. Cette finale, il aura contact avec Violon. Alice qui sort de la finale, il aura pas tout, c'est pas grave, c'est pas tout à fait physique, c'est bientôt mort. Voilà, Alice qui fait une partie de son gâteau. Premier match, totalement décisif pour Jérémy qui a l'avantage en France gagnante. Jérémy qui mène à 1-0. Alice qui garde Violon et Tim. Et qui va peut-être changer pour son troisième personnage. Ah oui, il prend Benny Marou, alors que Jérémy prend Yako. Et Yori, c'est parti, Violon, Violon. Voilà le personnage le plus fort du jeu, dans le début de ce match. Alors voilà, avec en fait, Raïd, il est en bleu. Voilà, avec Raïd qui nous met la pression dans le coin. Voilà, Raïd, tu peux se trouver avec Violon. Jérémy, tu es en train de se protéger. Jérémy, tu te places à sa pour le moment. Il enchaîne avec Violon dans le coin, avec le tag, avec Yori, avec Yori. Il rattrape son combo, voilà, il a fini. Un combo très violent avec le tag Yori. Voilà, je crois que Yori avec Yori. Ce tour de Raïd, il rate pas, ajouter, il y a un combo avec une chancelle. Voilà, il ne reçoit pas de points, c'est fini. Il leur met la pression, il soit avec Yori. Là, au bon moment, il se parle là. La plus vite Violon, s'il ne rate pas, s'il ne rate pas, c'est un infligé, il est mort. Non, il le rate. Il rate la plus vite Violon dans le dos. Comme pour Jérémy, il joue le tag avec Zach Koury, un bon joueur Koury, un petit marron de Raïd qui est bien sûr dans la partie Jérémy, le premier qui est le plus victime. Voilà, pour la mettre sur il a toujours son violon, ça va faire un tag, ça va faire un tag, il ne rate pas. Avec le tag trop fort, oh, c'est monstrueux. Il lui place à 2m3, Zach Santa, sur le bout. Voilà, il lui a bouffé un perso avec un tag, il a pas raté son combo. On a pas eu de mine avec son Yori. Alice qui a du mal, Alice qui est bloqué. Ah, Fury a fait parfait, double Fury. Il a tué Yori. Voilà, il tue Yori, il lui reste beaucoup d'énergie pour ce duel. Voilà, Rami dans le difficulté. Avec la grande pierre. 2 matchs à 0 pour Jérémy. Alice qui doit absolument se ressaisir. Toujours Fury, toujours duel. Toujours mettre ça haut. Avec Barriette qui bouge sur Fatih, c'est Rollstorm, Raymond, Zach. Allez, go! C'est parti. Encore avec Raïd en bleu. Voilà, Raïd qui remonte le combo de Violon. Ah, c'est super violent ce qu'il fait. Avec Black Cat, combo de Violon. Il rate pas son sac, il rate rien, ça va perdre. Non, il rate la fin du combo. C'est dommage, ça fait super mal. Le tour de Raïd, il fait partir son Violon. Voilà, Raïd qui a un peu moins de voilà, parfait, la top, c'est le tag. Voilà, c'est fini le 23. Non, il rate. Il rate un ratable. Alice qui rate à le 23. Derrière le tag. La vie, il va pas rater. Il va tout rater. Combo avec Tim. Il va rater dedans. Ça fait super mal. Il est au milieu. Jérémy qui rate pas. Il lui met la pression. Il est au milieu. Il le voit dans le coin. Alice qui rate à la vie. Et Alice qui rate à la vie. C'est pas mal. C'est super mal barré. Il lui met la pression. Très beau. Alice est bloqué avec Violon dans le coin, un chaud. Violon, je sais pas si vous connaissez Violon. Ah, il est dans Violon, il sort de Marou. Il est dans le coup de Violon. C'est super chaud. C'est pour l'instant le meilleur joueur de la France. Il est dans la carte.